Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le décor de l'exposition temporaire Un Gaulois dans mon cartable pour vous parler d'artisanat. Mais avant tout, je voulais vous dire un grand merci au nom de toute l'équipe du Musée au Parc Alésia parce que on va bientôt passer le cap des 6000 fans sur la page Facebook. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre sur le compte Twitter du Musée au Parc. Et juste envie de vous dire un grand merci. Parce que ça fait chaud au cœur de savoir que tout ce qu'on fait, ça vous intéresse, vous le suivez, vous aimez nos posts, l'objet du mois, entre autres, est un petit succès, un rendez-vous qu'on va poursuivre dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, donc, artisanat, parce que c'est bientôt les vacances de la Toussaint, ces vacances d'automne où il ne fait pas très beau, et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, il faut venir au Musée au Parc Alésia pour faire de l'artisanat et fabriquer notamment une fibule. Et là, j'accueille Anne, médiatrice culturelle au Musée au Parc, pour nous expliquer comment on fabrique une fibule. Une fibule. Bonjour Anne. Bonjour. Utilisant une méthode un petit peu simplifiée, puisque celle des Gaulois était en fer, celle des Romains était en bronze. Nous, on va utiliser un fil un peu plus souple et on va s'aider de ces petits supports. Ok. Donc c'est parti. Alors, comment on fait c'est ça parti. C'est parti. On met ça ici. Tac. Voilà. On va suivre. On suit le dessin en fait. Ah oui, c'est facile pour l'instant. C'est enfantin. On roule. On en roule combien de fois? Trois tours. Alors je coupe ce qui dépasse et voilà. Ok, super. Alors voici donc ma fibule, très très belle fibule. Je suis assez fière de moi. Ah, c'est aussi. Ah d'accord, en fait c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est la mienne, voilà. Donc elle est moins classe, mais c'était ma première, voilà. Donc ça, vous pourrez le faire pendant toutes les vacances scolaires, ainsi que du tissage, de la côte de maille. Ça dépend des journées, ça dépend de l'humeur du jour, et c'est un peu la surprise, donc on vous attend. Voilà, l'équipe de médiation culturelle est là. Merci Anne pour toutes ces explications. Le premier week-end des vacances va être aussi un week-end un peu spécial avec de l'archéologie tout le week-end. On va sortir des bacs de fouilles et vous pourrez expérimenter les techniques de fouilles archéologiques. Et puis on vous dit à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances, on espère vous voir. Et puis je vais me remettre un petit peu à la fibule, on va refaire une parce que j'ai besoin de m'entraîner. Merci Anne encore. Okay. À bientôt. À bientôt.